capitaine. Non, vous commencez tôt. Je vais lui dire de me tuer. Non, c'est pas, c'est bon. Allez-y, enchaînez. Donc Sora, faut juste que j'inverse les noms. Contre SFX, SFX in the mix. Hop là, j'espère que... Ok, j'espère que ça va pas laguer du coup. Et normalement c'est bon, hop là. On devrait être bon. On est parti. Donc, la losers semi-final du coup. La demi-finale losers. Qui oppose Sora contre SFX in the mix. Deux joueurs qui ont été très forts au niveau de leur offensive, de leur pression, mais inarrêtable si je puis dire. Là on a déjà Sora qui a réussi à garder SHX dans le coin, mais SHX qui ne veut pas se laisser faire, qui a réussi à tout simplement command grab Sora et à justement l'escorter jusque dans le coin. Nous pouvons voir qu'il a utilisé du coup Alisegawa-san pour peut-être dissuader de Sora de DP justement, vu qu'il se ferait frapper par le projo de Alisegawa-san. Et là, premier round pour SHX qui remporte avec un Totsugeki, hein, évidemment. Akane c'est bien plus jouable. Je m'étonne, mais nous on a des connexions top tier, je pense. Il est chez SoftBank, faut pas être chez SoftBank. je rigole. SoftBank c'est très bien. Alors du coup, Alisegawa-san qui réussit à punir justement les Sora. Ok, un bon counter attack, changement de côté pour inverser leur position. Sora qui a réussi à garder SHX in the mix, in the corner. Ok, bonne pression de la part de Sora qui veut vraiment pas laisser SHX se barrer. Iluka-san qui se fait punir par le DP on réaction, je suis sûr de Sora. Oula, un DP qui sort un peu. le DP qui sort en pissant, évidemment. La marque de fabrique de Sora et un DP encore un autre. Il sait les voir les DP, donc faut faire vraiment attention. Ça fait un burst à la relevée alors qu'il reste plus beaucoup de vie. C'est très très dangereux, hein. Oula, c'est très bon pour jouer là, d'abord. Là Sora essaye d'obtenir, voilà, il essaye d'obtenir l'ouverture. L'ouverture grâce au gravier de Vourne, ce sera pas nécessaire parce qu'un air to air ou jump K suffira à enlever le round à SHX. Ouh, nice pick up. Merci beaucoup Enskip, merci beaucoup Akemi pour le raid, ça fait très très plaisir. Pour le host du coup. Tu fais plaisir. Ok, very nice de Totsugeki counter rate, malheureusement qui se fait burst. Par Sora, changement de côté, est-ce qu'il va réussir à convertir? Very nice, il a réussi à avoir son wall break. Tu fais pas mal de dégâts au mur mine de rien. Ah c'est bien, merci pour le raid du coup Akemi, tu déchires. Hop là, changement de côté, là, ouh là, le bait de la burst. Ah, il a pas réussi à finir, il a pas réussi. La Zayn, ouh, le reversal de SFX, il réussit pas à gagner malgré ça. Ouh là là, vraiment, ça, tout, n'importe qui peut le prendre, on va voir ce qui va se passer. Ouh. Ah bah oui, du coup, SFX, 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 SFX. Ouh là, la vache, c'était vraiment tendu sur la fin, ça c'était assez ouf. Limite, ça m'arrange d'avoir été éliminé si vite mon frangin arrive. Ça marche, pas de soucis. Ok, tant mieux. Oula, c'était un bon combat. C'est vraiment... là, c'est l'un de mes combats préférés, là, pour l'instant. Il est assez ouf. Alors, voyons voir. Duskoi de la part de... Oula, le Mou qui a réussi à bait le burst. Très bon bait de la burst de la part de SHX. Ça a fini le burst grâce à un 5P, pardon. T'as vu? C'était un truc de ouf, hein. Il part très très loin, même quand il tape en front, il part très très loin. Voilà. Ouh, tentative de chop, il a essayé de le schnaps, mais il s'est fait call out directement. Ah, ok. Un petit Roman cancel pour se safeiser. Totsugeki. 6P qui sort un peu de nulle part de la part de Sora, peut-être qu'il a anticipé Ouh, il s'est fait choper sa chope. Le chopper, voilà, qui se fait choper, ouais. Voilà, SHX qui connaît, l'anti-air. Il sait qu'on va te prendre. Il aurait tellement pu baiter ça. Ça aurait été assez utile avec toi. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire, mais comme il a appuyé une deuxième fois, ça lui a coûté le. Ah, ça lui a chamboulé son rythme, j'imagine. Ouais. C'est dommage. SHX qui perd le round. Léo qui récupère son burst, du coup ça tente les dives, le jump D. Voilà, ça fait du neutral un peu, voilà les Zweiter qui se fait choper, voilà, DP encore qui se fait punir, ça va burst, voilà, pour empêcher SHX de pouvoir terminer son finish. Voilà, oula, le DP qui est bait et là ça devrait le faire. Et deuxième round, très 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 convaincant de la part de SHX.
Voilà, ça tente les, ça tente les DP en, en préventif, mais malheureusement SHX connaît. Ouais, SHX connaît les bourrages DP. Il connaît les schnapps, les tentatives de schnapps. Ça, il est au taquet. Il connaît les schnapps que Léo peut faire, donc il est très au courant. Il a clairement un avantage là-dessus. Voilà, encore une fois, et puis ensuite ça va burst pour empêcher la punition. Hop, le dauphin dans le sweep qui va carrément l'amener dans le corner presque. Ah, Léo qui réussit quand même à obtenir son ouverture pour amener dans le corner, voilà. Ok, nice, 6p pour... je sais pas, ça a dû choper Sora sur sa tentative de saut du coup. Mais ouais, il a bien placé le 6p là, c'était assez bien, assez ouf, ouais. Ok, alors Nugget Burger de Roman Cancel Pice par Sora pour essayer de gagner un petit peu de terrain. Le Totsugeki, Roman Cancel qui a réussi à punir le burst carrément. Burst, ouais. C'est un burst en fin de round malheureusement pour Sora. Ah, le c'est burst dommage, a ouais. Ouais. Ça, donc, c'est, ouais. Il a pas pu récupérer la petite barre, le petit plus de barre qui va lui permettre de peut-être reprendre un burst sur ce round. Ah, t'as vu, tu vois comment il. SHX il bait du coup les tentatives de sweep de Sora et qui justement le whiff punish en conséquence, c'est très très bien joué de la barre de SHX. Ça se voit que je crois qu'il a pas mal de caractère knowledge vis-à-vis de Léo. Regarde-moi ça, à mon avis, ouais, il connaît bien. Pour réussir à choper Léo. Un Léo qui est au Japon avec au minimum 260 frames de lag, c'est assez ouf, ouais. Non, SHX il doit connaître il connaît bien ce match-up à mon avis. Ouais. Bien joué de la part, là, ça va le faire, ouais. Ça va le faire. Ouais. Ouais. Et ça va tuer sur un dauphin, je laisse. Ah, très 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 convaincant de la part de SHX. Hein.